Les jeux du professeur Nathan Sparker sont les jeux les plus amusants, les plus rigolos, les plus incroyables. Et en ce moment, pour l'achat d'un jeu Nathan Sparker, recevez un jeu Nathan Sparker. Je fais partie des cobayes sélectionnés pour tester Déficitude, un prototype de jeu de société du professeur Nathan Sparker. Dans quelques secondes, je vais arriver dans ce fameux laboratoire. À cet instant, je ne sais pas encore ce qui m'attend. Mais peut-on vraiment s'attendre à une chose pareille? Attention, j'arrive. C'est tout fait, entrez donc. C'est bien ici le... Le jeu le plus incroyable, le plus abouti, le plus renversant, le plus... Ouais, c'est bien ici. Professeur Nathan Sparker, enchanté, mais vous pouvez m'appeler Hans. Bonjour, moi c'est Joey. Je sais. Asseyez-vous, les autres ne devraient pas tarder. Ça ressemble à ça? Le laboratoire d'un inventeur de jeux? Je suis pas du tout intimidée. Faut toujours que je sois le premier. Je me demande combien il y aura de cobayes. Je reviens, je m'en vais chercher la spirou. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Bonjour professeur Nathan Sparker. Appelez-moi Hans. Dolores, pouvez-vous servir une boisson énergétique à nos invités pendant que je fais l'appel? Bien sûr professeur. Vous pouvez m'appeler Hans également après tout ce temps. Joey, tous en collège conseil. Présent. Julie, tous en collège conseil. Ah, mon téléphone sonne, tout fait. Faut continuer l'appel, Dolores. Oui, professeur. Appelez-moi Hans. Matteo, 11 ans, collège Jean-Jacques Goldman. Président. Ha ha ha. Alex, 11 ans, collège Jean-Jacques Goldman. Présent. Sarah, 10 ans, CM2, école d'Alain Gervais. Présent. Et enfin, Antoine, 10 ans, CM2, école d'Alain Gervais. Présent. Avez-vous terminé l'appel, Dolores? Oui, professeur. Je crois vous avoir dit de m'appeler Hans. J'y penserai, monsieur le professeur. Bien, les enfants, nous allons commencer. Avez-vous remarqué quelque chose? Oui, il y a ma pire ennemie, Julie. Je confirme. Et mon pire ennemi, Alex, le Tipex. Ah ça, je confirme, Mathéo, la tête de veau qui sent le chameau. Et ma pire de chez pire ennemi à moi, Sarah le rat. Ça, tu l'as dit, Antoine, peau de banane. Les enfants, le jeu se trouve sur la table. Tout est dans la boîte. Dolores et moi allons vous laisser le découvrir. Nous reviendrons qu'une fois la partie finie. Amusez-vous bien. Bon, allez, je vois la boîte. Laissez-moi faire. De toute façon, il faut que ce soit toujours toi qui commande. Qu'est-ce qu'elle peut m'énerver? Allez, maintenant j'arrête de penser. Concentrons-nous sur les règles du jeu. Chers joueurs, ce jeu a pour ambition de réconcilier les pires ennemis du monde. Il se joue par équipe de 2 et votre binôme sera votre pire ennemi en personne. La partie sera finie lorsque tous les ennemis seront réconciliés. Dans la boîte, vous trouverez un plateau avec des cases de 3 couleurs différentes. Chacune de ces couleurs correspond à un type de défi que vous réaliserez après avoir pioché une carte. Il y a les défis golos en bleu, ce sont des défis rigolos comme leur nom l'indique. Il y a aussi les défuntello en jaune qui correspondent à des questions de culture générale.
Et enfin, il y a les déficitudes en violet. Si vous tombez sur l'une de ces cases, vous serez télétransporté vers d'autres lieux afin de tester votre capacité à faire preuve de sollicitude à l'égard de votre ennemi. Tout cela dans un seul et unique but, vous réconcilier. Nous réconcilier ? Nous ! Si vous tombez sur une case déficitude, piochez une carte violette. Votre ennemi et vous devront ensuite placer leur index à l'intérieur des deux petits cercles placés de part et d'autre de la carte. N'ayez pas peur, je suis qu'un hologramme. Mon nom est Jackson. Pensez-vous à vous réconcilier avec votre pire ennemi ? Ça ! Non ! Pas question ! Bonne chance ! Combien font 5 plus 10 plus 200 le tout divisé par 2 ? 107,5 ? Bonne réponse. À l'intérieur de cette cellule se trouve ta pire ennemie, Sarah. Vraiment ? Tu en veux la preuve ? Laissez-moi sortir, je vous en supplie. Si tu ne parviens pas à libérer cette jeune fille, elle restera enfermée à tout jamais. Est-ce là ce que tu souhaites ? Non. Dis-moi ce que je dois faire pour la sauver. Il va te falloir trouver la bonne clé pour ouvrir la serrure. Mais c'est facile, il n'y en a que 5. Oui, t'as raison. C'est pour ça que je vais le placer dans un coffre où tu devras d'abord trouver la combinaison. Hein ? Si le défi n'est pas relevé, tu auras échoué. Mais qu'est-ce que je dois faire exactement ? C'est très simple. Trouve le code à 3 chiffres, ouvre la boîte et trouve la bonne clé. Top départ. Mais c'est impossible, il y a trop de combinaisons. Je crois que tu mérites un indice. La combinaison est égale à 3 fois 75. 225. Merci Antoine. De rien, Sarah Laure. De rien. Allez, je lance. Tu penses avoir assez de force pour lancer un dé ? Et j'ai une idée. Quoi ? Stup tes une fois. Défi Golo. Dis une phrase à ton coéquipier en mettant ton poing dans ta bouche. Il doit comprendre ce que tu dis. Ogougougou. Je te déteste. Bingo! On peut rejouer. Joey? Julie? Oui? Savez-vous ce que signifie le courage? Lui, ça m'étonnerait qu'il le sache comme c'est une mauviette. Et toi alors, n'en parlons pas. Mauviette, j'ai toujours dit que tu étais une mauviette, une poulette. Et courageux celui qui arrive à vaincre sa peur, son dégoût. Ça hantise. Vous allez devoir vaincre votre dégoût. Vous disposez de tous ces ingrédients dégoûtants. Il va falloir préparer le plus dégoûtant des cocktails avant de vous les faire déguster l'un à l'autre. Hey! Uh-huh. Hey! Uh-huh. What I like about-
est appelée les 101 détritus. Voici les 1001 grâces. Passons à l'étape suivante. Échangez vos créations et buvez. Et ça fait quoi si on ne boit pas? Celui d'entre vous qui ne le boit pas n'aura plus jamais le droit de traiter l'autre de mauviette. Je ne peux pas, je ne préfère pas le boire. Finalement, moi non plus. Bien, vous avez eu le courage de changer d'attitude. C'est vrai ça. Pas besoin de boire un truc dégueu pour prouver qu'on a du courage. Pour la première fois, je suis d'accord avec toi. Vous avez tous les deux vaincu votre hantise, vous êtes courageux. Allez, c'est à mon tour de lancer le dé. C'est de ne pas faire un pour une fois. C'est grand lit tout seul. Quelle est la capitale de la Hongrie? Budapest. Bonne réponse, à toi de lancer le dé. Salut les gars, moi c'est Léa, plus connue sous le nom de Léa 118 du 67, la star des gameuses, c'est moi, je suis comme Krusty Bat, qui peut me battre? Salut, moi c'est Léo, plus connu sous le nom de Lele the Killer, la star des gamers, c'est moi. Quand Léo passe, les adversaires trépassent. Et vous, vous la frimez un peu là, vous deux, non? Moi c'est Alex 2045 du 68 RPZ. Je suis comme les déodorants Nartha, j'ai une efficacité 72 heures. Je peux jouer 72 heures sans m'arrêter, ok? Oh ça va, moi c'est Mathéo 2.0, si tu joues contre moi, tu vas finir au zoo. Bon allez les gars, on va vous mettre au défi. Prêt les killers? Je suis plus que prêt. On attend que ça. Ok, alors pour une fois, vous devez vous entraîner. Prouvez que vous pouvez faire quelque chose ensemble. Faire quoi? Nous battre à ce jeu. Alors, soyez solidaires et bonne chance les gars. I need my ride back soon, so meet me at the car lot highlighted on the mini-map. Yo, Rachel, heads up with some runs for you. Bunch of losers. Alors, c'est qui les meilleurs? Mademoiselle, qui peut me battre? Merci à vous, mes chers copains, vous avez prouvé que mon chien fonctionne. Grâce à vous, nous nous sommes réconciliés. Merci, professeur. Appelez-moi Hans, s'il vous plaît. Oui, c'est vrai. Fini les bagarres avec Mathéo. Merci, professeur. Appelez-moi Hans, bon sang. Oh, mais vous allez vous calmer, professeur. Soyez sympa avec nos cobayes. Oh, mais comment m'avez-vous appelé? Comment osez-vous encore m'appeler? Mais pourquoi personne ne m'appelle pas mon prénom? C'était plutôt pas mal comme expérience. J'espère que ce jeu existera vraiment un jour. Comment on arrive-t-on à se détester? Il y a mieux à faire, non? Tant que vous ne m'appellerez pas, je ne sortirai pas d'ici! C'est ce qu'on va voir, Nathansberger à l'hamburger! Stop! Eh bien, je crois qu'une nouvelle partie s'impose.